Président, ben on sera toujours là. Samedi 5 octobre 2019, nous sommes à Place de Clichy, une petite pause. Nous sommes venus de Porte de Clichy, très proche du TGI de Paris. Et nous en direction de notre destination finale, c'est Bastille, en passant avant par République et avant par Boulevard Magenta, avant pour Boulevard Rochechouart et Boulevard de Clichy. Alors, c'est... Avant d'être nassé, j'ai discuté un petit peu avec des flics et puis il y en a un, je lui demande d'où il vient. Il dit je viens de Nancy. Bon, je lui ai demandé vous êtes venu comment en bagnole. J'ai pas osé lui demander si c'était avec la voiture de service. Parce que j'ai pas voulu envenimer la conversation tout de suite. Ah oui, d'accord. Après, je lui ai demandé vous avez des gilets jaunes à Nancy ? Ah ouais, ils nous font chier, ils nous emmerdent et on est obligé de leur taper dessus. On leur tape dessus, ils nous agressent et on leur tape dessus. Ben, je lui dis, ah bon, parce que moi je fais des manifs à Paris, j'ai jamais agressé de police. Ah oh, bah c'est que vous n'êtes pas un gilet jaune. Parole de flic. Ah ouais, mais non. Et donc, peu de temps après, je pense que leur hiérarchie, les chefs qui étaient dans la manif, ils ont vu qu'il y avait des gilets jaunes qui discutaient avec les troupes. Donc ils ont donné ordre à la police de nasser les gilets jaunes. Ah, c'est pour ça.
Donc on a été massés. Si on était dans la première, on était peut-être une heure, on devait être une cinquantaine, et s'il y avait 100 ou 200 gendarmes autour de nous, bouclier contre bouclier pour pas qu'on sorte. Et puis après ils nous ont laissé sortir. Pourquoi ? Comme ça, ils sont partis, ils sont évanouis dans la nature. Donc nous on s'est remis dans le cortège. Et puis il y en a qui ont poussé un peu le bouchon un peu fort, ils se sont mis des pansements avec du sang. Alors je pense que c'est ça qui a pas plu. Et donc là ils nous ont renassé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une femme, je pense, qui a voulu se barrer de passer à prendre. Et puis donc là ils l'ont jeté par terre. Ah d'accord. Et puis après, ben, je ne l'ai pas vu quand ils l'ont jeté par terre, mais je l'ai vu quand ils lui ont tiré, ça s'est fait. Elle était là et puis nous on était là où il y a les flics là. Ah ouais, d'accord. Après ils ont fait une muraille autour d'elle pour que personne ne voit. Il y a les pompiers qui sont venus. Et quand elle est ressortie avec les pompiers, elle s'est montrée à tout le monde. Et puis elle a dit c'est ceux-là, les salopards qui m'ont. Qui m'ont foutu par terre. Et elle avait la gueule en sang. Une personne qui avait plus de 60 ans. Elle, on la voit sur les réseaux sur internet. Si vous agressez pas la police, c'est que vous n'êtes pas un gilet jaune. Ah oui, d'accord. Connu deux ou trois, qui avaient un brassard police. Oh my god. Ah d'accord. Laquelle ? La dernière, là. Les Black Blocs ? Ouais. La journée du climat. Ah oui. J'ai vu passer les Black Blocs en début du cortège. Bon, c'est le début de la manif. Ils ont remonté sur deux rangs tout le cortège. Et il y en a deux ou trois que j'ai reconnu le soir. Avec un brassard police. Ils ont tabassé un vieux de 70 ans. Il y a des témoignages que j'ai vus dans cette boucle, des gens qui disaient, par écrit, que c'est organisé. Comment ça se fait qu'il y a toujours les caméras? C'est toujours devant une banque. Et puis il y a les caméras pour filmer. Oh, viens te chercher chez toi. Emmanuel Macron, en tête de con. Oh, viens te chercher chez toi. Je l'appelle le Vavachard. Ouais. Oh, t'es connerie. Nos amis les policiers vont être mouillés. Ils sont beaux. Ah oui, je crois que c'est des beaux jours. Non, ce piètre président, je dirais. Aidez-moi ce petit trou du cul en prison.
Mettez-moi ce trou du cul en prison. Recherche un patron litier. Plus effrayant que le bruit des bottes, le silence des chaussons. Macron, Jean-Marie, Jean-Lacroix, Jean-Marie, Jean-Marie, police partout, justice plus tard. Moi je savais pas qui c'était.
Thank you.
Ça gaz, les amis. Allez, l'autre côté.
Ouais. Ah oui, on va à notre endroit.